veils and cities. Eh bien, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Débris. Donc voilà, sans plus attendre, on va y aller. Et nous voici de retour. Feels like there's a lot of debris in here. Feels like? Yeah. Let's go. Heads up, these guys again. Un peu fort le son quand même. Alors attends-moi. Oui, je peux pas tirer. Quoi ce bordel? Ah voilà. Sonia. Okay. Allez, va chercher l'énergie là. Voilà. J'y vois rien, c'est ma télé qui est mal réglée ou. Non, pourtant. J'y vois rien du tout. Alors. Ah. Allez, récupère. Je vois pas où je vais, je sais pas. J'ai pas gâché une mission. Alors. Ah, encore les copains. Ah! Il est où l'enfoiré? J'utilise trop de munitions. J'utilise trop d'énergie. Did I lose them again? Morcris. What people are they? Still nothing over here. Alternative theory. Okay, hold on. Concentration of debris is way higher than estimated and has stabilized this whole site. Strong convection currents, mutated life. Maybe it was an accident. He wouldn't kill us over fish. Wrong place, wrong time. Lost him again. But it's definitely sounding cleaner. Good. He's still all right? Still coming up with ideas. Something about all this debris destabilizing everything. Oui, mais prends le dernier. Voilà. C'est par là. A priori, la flèche verte me dit quoi.
Ok, c'est quoi ça? J'ai évité de toucher, hein? Venting. Alta, system status? System status. Emergency. Thanks. Everything okay? Think so. Still getting used to this suit. Ok, c'est quoi ça? Hop! Pourquoi c'est le bordel? Il est courant que j'ai du mal à bouger là ou quoi? Je suis pas du bon côté. J'essaie de rester collé au plafond. Ok, c'est en bas. I don't even know if they knew. But if they did know, and they didn't want us to know, what would they do? What is it now? Would they really try to kill us? One sec. And what if the debris is dangerous? I think debris dangerous. Scare off investors. Investors get scared. Would Alta kill people to hide it? Would Alta kill to hide it? Putain, mais arrêtez de tourner, cet abruti. What do you think? I don't know. Ah, mal précis le shoot. Hein. Ok. Ça va être compliqué. Alors, je vais peut-être éviter de gâcher trop d'énergie. Voilà. Allez, viens te servir. Over here, Sonia. Coming. Oui, mais la ramasse peut-être avant de rééquilibrer. Y'a de quoi faire là. C'est chiant parce que j'y vois vraiment rien quoi. Récupérer que ça? Ok. Il va passer devant parce que. What the fuck? C'est quoi ça? Je rêve pas. J'ai bien vu un énorme requin. Une sorte de requin. Ok, donc clairement, il peut me tomber sur la gueule à n'importe quel moment, quoi. En gros, c'est ça. Vas-y, vas-y, éclaire. Éclaire, je veux pas avoir de surprise. Thruster's disabled. Ryan, Sonia, Chris. Did that do anything? I can't move again. Go backwards again okay. If you can hear me. Thruster's enabled. Attends-moi la lumière là. Ah, voilà. Viens, allez, avance. Je veux de la lumière. Pêche-toi, allez. Je vais pas me faire choper par un requin, moi. Ouais, encore des... Good. Hey. You can hear me. Culé. I tried moving around to get better reception,
Not sure how long this will last, so I'll get right to it. Oh, I can't imagine the ship you've seen swimming around. We need answers. The way I see it, there are two explanations. Theorizing. That Alta has no idea the debris fucked up everything around it. The ice destabilized up top and wrong place, wrong time. Or we saw too much. To protect their investment, Alta tried to shut us down. What ideas? Hold on. What's about to give? Just thinking. Trying to figure out if this was an accident. Fuck. I had you. Wait, I heard something. Thruster's disabled. Sonya, hold up. So what do you think? Should we be more worried about Alta taking us out? Or the debris fucking us and our equipment? Like the ice and the fish. All I want to know is, who's the bigger threat? Forward for Alta, backward for debris. Thruster's enabled. Ryan, we All right. Come here. Ouais, j'arrive, il y a du courant de façon, alors j'ai pas le choix. Ok. Un petit temps de chargement avec une sauvegarde. I didn't want to say anything, but I think it's obvious. Is he still talking? He wants to know what's the bigger threat, Alta or the debris. And? The lying bastards. Listen, I can't believe I trusted this company. I knew my department was a bubble, but I had no idea Alta was capable of this. He's blaming Alta. It's so sloppy, too. You can't let people know what the debris did to these creatures. It's unsafe. Investors would pull out. They'd lose everything. Diving accidents happen all the time. I can't believe this is happening again. Rest in peace, Casey. Ryan, Casey died before Alta even knew about the debris. Let's go. Fuck off. Go where? If Chris is right, what's gonna happen at the surface? What's going to happen if we stay down here? Allez. Let's go. Ah, let's go, je t'attends, alors c'est gentil, hein, mais... Ryan, look at this. What? Thorns? Really? This place. Ok. Ok, des gros acacias sous-marins. D'accord, si tu veux. Et il y a des requins aussi. Parfait. Parfait. J'espère que je peux retirer dessus, requin. Ryan, have you ever been attacked by a shark? Damn it, sharks too. It looks like they're avoiding the spikes. Guess that's where we're gonna be. Let's go. Ok, a priori les épines me protègent, mais le problème c'est que là, si je sors tout de suite, je suis cuit. Est-ce que ça marche si je tire dessus? Je peux pas tirer. Ah, j'active d'abord. Dépêchons-nous, 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 dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous! Ah. Ouf, j'ai réussi à les passer. This way. Oui, bah oui, forcément, je vais pas rester avec les requins. Hein. I've been watching the movement of these fish. Chris again, more ideas. Never seen anything like it. Too intentional, too in sync. He's talking about fish movement. It seems like they're being controlled. Studied fish movement when they built the ROVs. Alta designed ROVs based on a jellyfish and a squid for a reason. I've heard rumors about Alta's hybrid AIs trying to use actual creatures as organic drones. Chris is going off on some real sci-fi shit now. Just gonna be the secret testing. We better find him soon. Fuck. I don't. Yeah. Alors je comprends grosso merdo l'histoire, hein, parce que je suis pas particulièrement anglophone, mais bon, je suis pas non plus à pas connaître un seul mot d'anglais. Ah, il y a encore des copains ici. Ah putain.
Mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à vraiment m'immerger dans l'histoire, quoi. Après, je suis protégé pour le moment par les épines. I hope they don't follow us in here. Ok, là il n'y a pas d'épines. Et là le... Faut que je fonce juste après qu'il m'ait foncé dessus en fait. Quand ils sont en face de... Parce qu'ils sont rouges quand ils me foncent dessus et dès qu'ils prennent l'épine, ils deviennent bleus. Faut que je me grouille quand ils sont encore bleus avant qu'ils redeviennent rouges quoi. En gros c'est ça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oui, bien sûr. Je fais comment là? No light. I'll have to jump for it. Watch out. Allez, 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 allez. Pas moyen d'aller plus vite. Il y a pas moyen d'aller plus vite. Ah ouais, ouais, bien sûr, oui. Oui, bah oui, évidemment. Là, peut-être. Peut-être là. C'est compliqué, hein. Je peux pas leur tirer dessus. Non, ça les énerve encore plus. Aïe! Ah putain, je m'en doutais. Je l'ai vu sur le radar. Oh, mais il y en a combien? Je fais comment là? Je suis bloqué? Je suis bloqué. Lumière, lumière, lumière. Faut que je vois comment je peux faire pour passer. Putain, viens là avec ta lumière! Ah, de Dieu! C'est quoi ce point rouge là? Pour le moment, je suis protégé par les épines. Pas évident. Ah là, il va falloir sortir. Faut que j'aille en face. Allez-y, attaquez, 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 attaquez. Attaque! Je trace. Ah, y en a un qui veut m'avoir. Oh putain de merde. Oh, c'est pas passé loin. Ah, lui va m'avoir. Lui va clairement m'avoir. Voilà. Et son copain, il va m'avoir aussi. Et son copain qui arrive encore derrière. Et voilà. Et ça pique les fesses. Over here. Sonia, ouais, ouais. Okay. Donne-moi un peu d'énergie quand même. On partage, hein. Bon, j'espère qu'elle a... Bon, j'ai rien dit. J'allais dire, j'espère qu'elle a plu. Malheureusement, je crois qu'il va pas te falloir trop y compter, hein. A priori, ça va être compliqué cette histoire.
Faudrait que je passe par là-haut. Mais lui, il va falloir le calmer en fait. Il est tout seul. Est-ce que ça... Non, ça n'a pas marché. Clairement, si je peux n'en prendre qu'un seul au cul... Non, il y en aura deux. Il y en a un troisième qui arrive. Putain. Ça va vraiment être compliqué là. Faut vraiment trouver de l'énergie. Over here. Okay. Ouais, mais... Putain, il y en a encore, j'y crois pas. On va jamais y arriver. Et doucement, 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 doucement. Ah, et puis là, j'ai pas le choix en plus, hein. Hey, Sonia. Hold on. On fait comment? Voilà, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche maintenant. On est cuit, on est cuit. On est cuit. Ah, putain de merde. On va essayer, hein. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il sera sensible au... au harpon, visiblement. On va essayer la lumière. Ça a marché ou j'ai rêvé? Putain. Putain, pourquoi ça reste bloqué? Je sais pas si ça les empêche ou pas. Ah l'enculé! Ah le bâtard! Hey, Sonia. Hold on. Parce qu'il faut toujours la barre d'espace pour remonter en fait. On peut pas remonter. Est-ce que ça marche? 10 minutes remaining. Clairement, ça les attire pas. Y a rien qui marche. Y a rien qui marche. Je peux passer là? Non, je peux pas passer. Ce serait trop beau. Ouais, clairement, ça détourne juste de leur chemin, quoi. Comment tu veux passer? Comment tu veux faire pour passer? Clairement. Bah, il m'a vu. Ils m'ont vu. Faut qu'on trouve de l'énergie là. Là, il va falloir qu'on trouve de l'énergie là. C'est une course contre la montre. De quoi? System shutdown in Ryan? I think it stopped. System shutdown. I have power. I'm sick of this shit. I have no control. What the hell? Can Alta access these suits? I don't know, Ryan. You keep alluding to cryptic shit Chris says on your private connection. Then you talk to me as if I'm advising you on a conference call. Like I'm not floating in the fucking dark waiting to die. But enjoy Chris's conspiracy bullshit. Do you realize what's going on here? Are you a professional? Are you a human being? Because I am and I need your help. All right, I'm sorry. I can't do it alone. Get your shit together. Because unfortunately it's my shit too.
Putain, pas encore. Ah non, non, mais non, là je peux pas passer là. Clairement, je peux rien faire. Oui, bah oui, je veux bien, mais je peux rien faire. Voilà. Putain. Ah, les gens, on est complètement bloqués, là. Ah, c'est du Day and Retry, là. Allez, je trace, je m'en fous, je trace, voilà. Hop. Voilà, allez. Voilà. C'est bon. Vu qu'on a 20 minutes avec la sauvegarde. Eh ben écoute. Hein. On va se faire du hit and run. Et puis c'est tout. Allez où le truc, c'est lumière là. Faut aller où? On peut passer par là? Oui. Non? Si? Putain. Y'a personne là? Zone si grande, il n'y a personne. Faut te récupérer déjà. Tu vas où? Il y a un chemin là, non? Tu veux vraiment me faire passer par les roquets en fait, c'est ça. Espèce de connasse, ça va. Attends-moi, j'y vois rien sans toi. Il n'y a pas à me tomber de merde avec un requin. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Il y a un passage ici, il va pas me faire passer par les requins. Tu veux vraiment me faire chier toi? Voilà, c'est ce que je dis, tu veux me casser les couilles. Voilà, il y a un autre chemin, mais non, non, elle me fait passer par les requins. Allez, bouge tout le cul, éclair. Oh, tu vas où, là? Tu décides. Oh putain de merde. Putain de merde. Ouais, let's go. Ouais, bien sûr, t'as raison, tu crains rien toi. T'en bats les steaks. Pourquoi je passe par là moi?
Allez. Sonia, come here. Viens ici, la putain de ta race. Viens me montrer le chemin ici, là. Over here. Okay. Ah, putain, là, c'est... Hey, Sonia. Hold on. Viens éclairer. Sonia. Okay. Viens éclairer. Putain de merde! Bon, alors. Est-ce que je peux passer par ici? La musique est pas oppressante du tout. Mais alors, du tout. Déjà que l'ambiance de jeu, c'est dans le noir complet là, c'est bien oppressant, c'est bien pour faire flipper, mais la musique est pas chiante du tout là-dessus. Elle est bien forte en plus. Ah, vas-y, ils sont 50 là. T'as vu la distance qu'il y a à couvrir, Ross? Tu veux que je fasse comment? Ah bah allez, on va aller clamser, hein. Oh là, il y en a deux qui me foncent dessus. Mais quand je dis foncer, c'est foncer. 3, 4. Allez, boum. Voilà, c'est le festival. Tu veux que je fasse comment? Alors. Bien sûr, on repart. Il y a des points de sauvegarde qui est à 10 bornes. Voilà, dégage. Toi aussi, dégage. Allez, boum, bon, bye. Oh putain. Yep les amis, bon ben comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit rage kit pendant la vidéo, donc voilà, j'ai pris le temps de me calmer, de me remettre et de vous dire au revoir correctement quoi. Donc comme vous avez pu le voir, et ben c'est pas évident du tout de traverser ces putains de requins. Hein. Il y a vraiment, j'ai fini d'aller une retraille, hein, vraiment. J'ai dû faire une quinzaine d'essais après la coupure que je vous ai mis là. Donc, et j'ai toujours pas réussi à passer. Donc, voilà. Clairement, va falloir que je trouve une solution sur internet ou autre parce que c'est une galère. Et la musique, honnêtement, la musique me stressait beaucoup. Vous avez pu le voir, j'étais un peu plus énervé que dans les autres vidéos. Donc, c'est vrai, la musique est vraiment, vraiment oppressante. Et très forte. Très, très forte en plus. Donc voilà, donc c'était tout pour cet épisode 2 de Débris. J'espère que ça vous aura plu et que vous serez bien marré en me voyant rager. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à mardi pour l'épisode 11, si je ne me trompe pas, de Canis Canemédite. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus tard, Yaskar. Ciao.